Le nom de Marie Curie est connu dans tout le pays. C'est la première femme prix Nobel. Elle a obtenu deux fois le prix, en 1903 en physique et en 1911 en chimie. Elle est admirée par beaucoup de femmes, c'est aujourd'hui une légende. Mais qui est cette femme derrière la légende? Et qui est cette grande scientifique du siècle dernier? Pour comprendre, j'ai rencontré et interrogé sa petite fille, Hélène Langevin-Joliot. Hélène Langevin-Joliot est une petite fille de 92 ans. Je la rencontre pour la première fois dans sa belle maison à Sceaux, en banlieue parisienne, un jour d'hiver en 2018. Une enfance polonaise. Elle est née en Pologne en 1867. À cette époque, le pays est une région de l'Empire russe. En Pologne, Marie s'appelle Maria Sklodowska. Elle a trois sœurs et un frère, Zofia, Bronia, Elena et Joseph. Marie est la plus jeune. À cette époque, beaucoup de femmes ne travaillent pas, mais sa mère est institutrice. Son père est directeur d'un petit lycée. Ils habitent rue Freta dans le centre-ville de Varsovie. Sa famille est cultivée mais pauvre. Alors ils transforment leur maison en pension pour des jeunes filles. Marie a une éducation très religieuse, mais elle perd la foi à cause de deux événements terribles. Sa sœur Zofia meurt en 1876 et sa mère en 1878 d'une maladie. Marie a 11 ans seulement. Elle se rapproche de son frère Joseph et de sa sœur Bronia. Pour ne pas penser à ces moments douloureux, Marie étudie beaucoup. Très vite, ses parents remarquent son intelligence. Elle apprend à lire toute seule à 3 ans. C'est une élève sérieuse. Elle obtient son diplôme à 16 ans avec les meilleures notes. Pour gagner un peu d'argent, elle commence à donner des cours. Comme beaucoup de Polonais, Marie espère l'indépendance de son pays. Elle participe à l'Université Volante, un mouvement de résistance illégale. Pour libérer son pays, il faut éduquer le peuple. Elle donne des cours et elle assiste aussi à des cours. Elle découvre les expériences scientifiques. Elle aime beaucoup les sciences. À cette époque, les femmes ne vont pas à l'université. Sa sœur Bronia part en France, à Paris, pour faire des études de médecine. Marie veut partir aussi, mais elle a besoin d'argent. Elle ne gagne pas assez d'argent à l'université volante. Alors, elle devient l'institutrice des enfants d'une famille riche pendant 3 ans. Elle tombe amoureuse du fils aîné de la famille. Il étudie les mathématiques. Mais les parents du jeune homme ne sont pas d'accord. On ne se marie pas avec une employée de maison. Elle est contente de partir à Paris pour oublier ce chagrin d'amour. Le garçon, lui, va devenir un grand mathématicien polonais.